Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Sofiane Sahlaoui, bonsoir, c'est à vous. Hakim Bey, bonsoir, bonsoir à tous. Au nom du président de la République Abdelmadjid Tebboune, le chef d'état-major de l'ANP, le général d'armée Saïd Chengriha, a présidé aujourd'hui l'installation officielle du général Rochdi Fethi Moussaoui dans les fonctions de directeur général de la documentation et de la sécurité extérieure en remplacement du général-major Mehmed Jbar. Le gouvernement s'est réuni aujourd'hui autour du premier ministre Nadel Harbaoui, les rentrées scolaires et universitaires, notamment à l'ordre du jour. À New York, le ministre des Affaires étrangères a pris part ce soir à une réunion de haut niveau sur le maintien de la paix et de la sécurité internationale. Il avait présidé un peu plus tôt la réunion du groupe des pays africains siégeant au Conseil de sécurité, plaidant pour le renforcement de la concertation. Alors que l'entité sioniste promet de poursuivre sa nouvelle guerre contre le Liban, le Conseil de sécurité s'est réuni ce soir sur la question. Au moins 50 martyrs dans les raids opérés aujourd'hui à Raza, le génocide continue. L'Algérie, qui a grandement avancé dans la réalisation des objectifs de développement durable en matière d'environnement et de ressources son eau, mais aussi de logement. Une réunion sur les ODD est prévue à New York. Le Maroc, au bord de l'implosion, la crise multidimensionnelle s'exacerbe, les appels à manifestation se multiplient pour continuer le mois d'octobre. Les Marocains qui vivent la misère et la répression quittent le pays en masse, des témoignages à suivre dans cette édition. Et puis du sport, football, le Mouldia d'Alger affrontera le Paradou Athletic Club vendredi à huis clos, ça sera au stade de Douira. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Avant de dérouler tous ces titres et suite à sa réélection à un second mandat à la présidence de la République, le président Abdelmadjid Tebboune continue à recevoir des messages de félicitations encore aujourd'hui. Ils proviennent du roi du Danemark, du président roumain, du président de la République démocratique du Congo, mais aussi du chancelier allemand. Et au nom du président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune, le chef d'état-major de l'ANP, le général d'armée Saïd Chengriha a présidé aujourd'hui l'installation officielle du général Rochdi Fethi Moussaoui dans les fonctions de directeur général de la documentation et de la sécurité extérieure, et c'est en remplacement du général-major Jbar Mehenna. Lors de son allocution à l'occasion, le général d'armée Saïd Chengriha a donné ses instructions. Aussi, je vous ordonne de travailler sous son autorité et d'exécuter ses ordres et instructions dans l'intérêt du service, conformément aux règlements militaires et aux lois républicaines en vigueur, et par fidélité au sacrifice de nos vaillants shuhada et aux valeurs de notre glorieuse révolution. Le général d'armée Saïd Chengriha, qui a appelé les cadres de cette direction à continuer à consentir davantage d'efforts au service de l'Algérie et pour préserver ses intérêts suprêmes, les exhortant ainsi à soutenir leur nouveau chef et à assister dans l'accomplissement de ses missions. Le général d'armée qui a salué les qualités du général-major Mehmed Jbar et les rôles importants qu'il a tenus au sein de l'institution militaire. Le Premier ministre Nadel Harbaoui a présidé aujourd'hui une réunion du gouvernement, réunion consacrée notamment au suivi des rentrées scolaires et universitaires cette semaine, ainsi qu'à l'examen de projets de décrets exécutifs. Il s'agit notamment des conditions d'agrément et de fonctionnement des établissements privés d'enseignement. Synthèse, Linda Boat. Le décret vise à améliorer la qualité de l'enseignement et les conditions de scolarisation. Il vise aussi à promouvoir les normes techniques et pédagogiques applicables à l'investissement privé dans le domaine éducatif, indique un communiqué des services du Premier ministre. Il vise enfin à assurer la complémentarité avec le secteur public en consacrant la loi d'orientation sur l'éducation nationale comme la référence fondamentale pour l'activité de ces établissements. L'autre projet examiné concerne l'organisation du commerce extérieur. Le communiqué indique qu'en application des directives du président de la République et afin d'éviter tout déséquilibre du marché national, le gouvernement a examiné les moyens de renforcer le cadre réglementaire pour réguler le marché entre importation et exportation et consolider les équilibres économiques. Dans le même cadre, le gouvernement a parachevé l'examen du projet de décret exécutif relatif aux personnes habilitées à déclarer les marchandises en détail, ce qui a pour objectif de renforcer le cadre réglementaire qui régit la profession du commissaire en douane et à renforcer sa mission. Enfin, le gouvernement a examiné un projet de décret exécutif fixant les conditions et les modalités d'acquisition du logement promotionnel public, le LPP.
Dans un communiqué ce mercredi, la Direction générale de la communication de la présidence de la République a indiqué que les directeurs généraux de l'agence Algérie Presse Service, l'APS, et l'établissement public de télédiffusion sont toujours en poste. Ils donnent satisfaction dans l'exercice de leurs fonctions, a indiqué ce communiqué. Direction New York, où se tient l'Assemblée générale de l'ONU, le ministre des Affaires étrangères, Ahmad Atta, vous le savez, y est sur place. Il multiplie les réunions internationales. Ainsi, il a pris part ce soir au Conseil de sécurité de l'ONU à un débat public de haut niveau intitulé « Leadership pour la paix », et ce dans le cadre d'un ordre du jour, le maintien de la paix et la sécurité internationale. Dans son allocution, Ahmad Atta a insisté sur une meilleure représentativité de l'Afrique au sein du Conseil de sécurité. Ce dernier a pour obligation, dit Ahmad Atta, de faire appliquer résolutions et décisions. Il est important d'assurer le suivi des décisions prises par le Conseil de sécurité et juger les parties qui défient ces décisions et ignorent la volonté de la communauté internationale. L'obligation d'application doit concerner toutes les décisions du Conseil de sécurité, notamment celles qui ont été adoptées dans le dossier palestinien. Le dernier point concerne la réforme du Conseil de sécurité en démocratisant ses processus d'action, en augmentant le nombre de ses membres avec une composante plus large qui soit plus représentative de la communauté internationale actuelle. Et la priorité pour nous, c'est de corriger l'injustice historique à l'encontre de notre continent africain, qui demeure le seul absent dans la catégorie des sièges permanents et le moins représenté dans la catégorie des sièges non permanents. Ahmad Atta, le ministre des Affaires étrangères qui à New York a poursuivi par ailleurs les rencontres bilatérales avec ses homologues, aujourd'hui avec ses homologues saoudiens, somaliens, slovaques, estoniens ou encore du Nicaragua. Le ministre des Affaires étrangères qui a présidé un peu plus tôt dans la journée une réunion des A3+, le groupe des trois pays africains siégeant au Conseil de sécurité de l'ONU, à savoir l'Algérie, Sierra Leone et Mozambique, en plus de la Guyane qui a assisté à cette réunion et de la Somalie qui remplacera le Mozambique à cette instance janvier prochain. Ahmed Attaf a insisté sur la concertation, son renforcement. L'Algérie étant coordinatrice de ce groupe. L'Algérie qui a plaidé, vous le savez, pour la réforme du Conseil de sécurité afin que le continent africain soit dignement représenté dans des sièges permanents. Une exigence que défend même le secrétaire général de l'ONU, Elias El-Reini. Une occasion pour réclamer encore une fois une réforme du Conseil de sécurité de l'ONU, deux sièges de membres permanents avec droit de veto pour l'Afrique, une meilleure représentativité pour le continent dans la gouvernance mondiale, pour mettre fin à une injustice qui n'a que trop duré. Les discussions sur cette question traînent toujours pour un continent qui compte 54 pays et plus de 1,4 milliard d'habitants. L'idée de réforme est soutenue par le secrétaire général des Nations Unies en Antonio Guterres. Les inégalités mondiales se reflètent et se renforcent jusque dans nos propres organisations internationales. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a été conçu par les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale. À l'époque, la majeure partie du continent africain était encore sous domination coloniale. À ce jour, l'Afrique n'a toujours aucun siège permanent au sein de la principale instance de paix du monde. Un changement s'impose. Le chef de la diplomatie russe affirme que son pays soutiendra l'adhésion d'un pays d'Afrique au Conseil de sécurité de l'ONU en tant que membre permanent. D'autre part, les États-Unis affichent un certain soutien à l'idée de deux sièges pour le continent, mais sans droit de veto. Une situation qui confirme que le Conseil de sécurité est dans l'impasse sur certaines questions. L'Algérie, en tant que membre du Conseil de sécurité, se réunira avec ses homologues. Les 14 du Conseil se réunira ce soir sur la situation au Liban. Aujourd'hui, une autre réunion a eu lieu au Caire, présidée par le président de l'APN, le président de l'Union interparlementaire arabe, Brahim Bourali. Au Caire, une session extraordinaire, on le disait, de cette union. Bourali a été clair, appelant ainsi au renforcement de la position arabe face aux agressions sionistes dans la région, notamment la dernière en date au Liban.
Chaque instant qui passe sans que l'on prenne des mesures efficaces dans l'intérêt de nos causes communes est considéré comme une occasion ratée, en particulier devant la volonté de l'antisioniste d'embraser notre région, élargir sa guerre et ses agressions contre le Liban et la Syrie. Profitons donc de cette réunion pour renforcer la solidarité interarabe et le travail commun pour être un véritable soutien non seulement aux Palestiniens, mais aussi à tous les peuples arabes pour un avenir meilleur pour l'ensemble de la région. En parlant de Liban, l'agression sioniste se poursuit avec des raids multipliés intenses sur plusieurs régions du Liban, notamment à Beyrouth. Une cinquantaine de martyrs enregistrés aujourd'hui, ce qui vient alourdir la facture en vies humaines des Libanais depuis trois jours. À présent, près de 600 martyrs. Le mouvement Hezbollah a lui tiré ce matin un missile sur le siège du Mossad à Tel Aviv. C'est la première opération du genre menée par le parti libanais depuis le début de la guerre octobre dernier. Attaque qui n'est pas fortuite, nous explique le journaliste politique libanais Ibrahim Ghalib, contacté par Nesrine Amoun. Ce matin, à 6h30 précisément, le Hezbollah a lancé des missiles balistiques qui a ciblé le siège du Mossad aux environs de Tel Aviv. C'est la première fois depuis le mois d'octobre et depuis la participation du Hezbollah à l'action de solidarité et de résistance avec Gaza qu'elle cible Tel Aviv. Dans un communiqué émis aujourd'hui, le Hezbollah a expliqué qu'il a ciblé ce lieu où a été commanditée l'opération de destruction des beepers et talkie-walkie, deux membres du mouvement au sud du Liban et dans la capitale Beyrouth. Les Libanais et particulièrement les habitants du sud Liban craignent de nouvelles offensives de l'armée d'occupation suite à l'opération du Hezbollah contre la ville de Tel Aviv ce matin. Raid sur le Liban, intensification du génocide à Gaza, où une dizaine de martyrs enregistrés encore aujourd'hui dans différents bombardements. La situation s'exacerbe alors que les aides humanitaires tardent à parvenir aux Gazaouis. En marge de l'Assemblée générale de l'ONU, vous le savez, qui se tient depuis deux jours, cette réunion attendue au courant de la semaine, et dans laquelle l'Algérie interviendra sur les objectifs de développement durable. Elle mettra en avant les progrès enregistrés pour atteindre ces mêmes objectifs. Maïssa Smaïl. Ces objectifs appellent à l'action dans quatre domaines: la diversification économique, le développement social, la préservation de l'environnement et la bonne gouvernance. Pour les atteindre, l'Algérie a réalisé d'importants progrès, notamment dans la protection de l'environnement. Le pays vise à garantir la sécurité énergétique tout en minimisant l'impact environnemental. À ce sujet, Wassim Abdelkrim, responsable de protection de l'environnement à Ain Salah Gaz, a affirmé que la compagnie gazière vise à réduire ses émissions de CO2 à 300 000 tonnes d'ici 2030. Nous accentuons toute notre énergie pour essayer de réduire le torchage routinier, mettre en place un système de monitoring et de suivi de nos émissions, notamment les émissions fugitives concernant le méthane. Concernant la promotion des technologies de l'information et de la communication, Anis Ababsiam, membre du groupement algérien des acteurs du numérique, salue le développement réalisé dans ce secteur. C'est les chiffres qui disent vraiment un travail qui force le respect qui a été accompli. En 2014, on était à peine à 11 millions de citoyens connectés. À l'époque, il y avait 38 millions de citoyens. Aujourd'hui, 10 ans après, on est sur 34 millions de citoyens connectés. Également, vous avez une multiplication du débit pour le citoyen lambda sans aucune incidence financière. D'autres indicateurs traduisent aussi l'engagement de l'Algérie en faveur des ODD. Par exemple, l'amélioration de la sécurité alimentaire afin de garantir une nutrition suffisante pour la population, mais aussi l'accès gratuit et universel aux services de base et les services de couverture sociale soutenant le bien-être du citoyen. Suite à ces réalisations, l'Algérie a été classée par l'indice ODD première en Afrique à 3 reprises et au niveau arabe à 2 reprises. L'Algérie prévoit d'intensifier ses efforts pour atteindre les ODD et favoriser une transformation durable. Dans ce contexte, l'Algérie est parmi les rares pays à consacrer d'importants budgets et financements pour le logement et l'éradication de la précarité. La représentante du CNESE, le Conseil national économique, social et environnemental, institution présidente actuelle des institutions similaires à l'ONU, s'exprimait aujourd'hui à la mi-journée dans le magazine 12-13. Elle répondait aux questions de Hamid Belkassem. Le volet logement donc important pour Souhila Benrouta.
logement est considéré comme un enjeu crucial et il a bénéficié en Algérie d'investissements très considérables, comme en témoigne le montant alloué au soutien à l'habitat pour l'exercice 2021, à l'ordre de 420,947 millions de dinars, soit près de 22% du total des transferts explicites de l'État. Pour l'amélioration des conditions de logement, il y a le taux d'occupation par logement qui est passé de 4,46% à 4,25% habitants entre 2019 et 2023. Il y a l'éradication de plus de 45 000 habitats précaires entre 2019 et 2023. Direction le Maroc, la colère grandit allant, selon les observateurs, vers une catastrophe, une implosion. La grogne sociale s'amplifie. Les enseignants annoncent une grève générale le 7 octobre. Le 27 du même mois, une journée de la colère est annoncée à travers l'ensemble du royaume, à laquelle appelle l'Union générale des travailleurs marocains. Des débrayages et manifestations, alors que la situation socio-économique à la malvie des Marocains, en plus de la répression, est telle qu'ils tentent de quitter le pays en masse. Écoutant plus de ces témoignages, il reflète les dérives du Marzen et du gouvernement. ما لقيناهاش ومعذبين اخويا المسؤول اخويا هما دوك الناس راه قهرونا اخويا وحق الرب العظيم يشي حشوم راعيينا والله يشعيينا قسما بالله المدرسه ما كايناش عريبونا وخلو لينا النص ديال الحوايج ماشي الحوايج كاملين النص ديال الحوايج هما في الزنقه جاو قالوا لنا خرجوا من الدار صافي خرجوا لا ما بغيتش تخرج غير ريب عليك وفعلا هما ريبوا على الحوايج ما كيعقلوش على المواطنين نهائيا ما عاقلينش على المواطنين نهائيا مضيعينهم مشردين ولادهم شتتوهم ما خلاهم ما داروا هاد الناس والله ياخذ الحق. Au Maroc, les voix qui s'opposent à la normalisation du Marzem avec l'entité sioniste sont réprimées elles aussi et traduisent devant la justice pas moins de 13 militants du Front marocain de soutien à la Palestine et contre la normalisation. Ils comparaîtront demain au tribunal de Salah pour avoir manifesté contre l'installation d'un groupe sioniste dans le pays. Retour à l'actualité nationale pour parler de cette annonce du ministère de l'Éducation nationale. Annonce d'entame des inscriptions en préscolaire dès dimanche prochain et ce jusqu'au 9 octobre. Les concernés sont les enfants nés entre le 1er et le 31 décembre 2019. L'opération se déroulera sur la plateforme numérique aoulia.education.dz. La wilaya de Tbessa se dote d'une faculté de médecine. Elle vient répondre aux besoins de la population estudiantine en la matière. Abdelkalim Gosmia est le recteur de l'université de Tbessa. Il en parle à notre correspondant Béjir Delmassi. Nous sommes très heureux de l'ouverture de la formation des sciences médicales au niveau de l'Université de l'Arbit Bessin. Nous avons un nombre d'orientés vers l'annexe de médecine à Tbessa, vers 185 étudiants. Nous avons 10 salles qui sont réservées à cette formation, un amphi de 360 places. Nous avons réservé un certain nombre de laboratoires pédagogiques pour accueillir les travaux pratiques. Nous avons réservé un espace de bibliothèque qui sera garni par les ouvrages qui sont sur place et nous avons acquérir prochainement Charles, un certain nombre de références en concertation avec la faculté de médecine de Betna pour accueillir cette première formation au niveau des sciences médicales. En matière de santé, l'Algérie a renforcé sa lutte contre la rage, un problème de santé publique. L'Institut national de santé publique, justement, s'est penché sur la question en présence du directeur de l'OMS en Algérie, l'INSP, qui table sur la sensibilisation, nous dit son directeur général, Abdelazak Bouhamara. Il est au micro d'Hassan Chemesh. Pour cette maladie d'origine animale, donc c'est une zoonose, il y a un objectif d'ici la fin à l'horizon de l'année 2030. Donc on devrait y arriver à zéro cas. Pour cela, l'INSP est en train de renforcer et intensifier les actions pour lutter contre cette pathologie, en associant bien sûr tous les autres secteurs, donc tous les intervenants. Donc on a la participation du ministère de l'Agriculture et du Développement Rural. On a aussi la participation de l'École supérieure en sciences vétérinaires. Et puis après, on a les éléments, les responsables de ce programme au sein de l'Institut. Et justement, la journée mondiale de lutte contre la rage, c'est dans 3 jours, le 28 du mois.
Escale, histoire dans cette édition, pour parler du 20 septembre 1962, où le peuple algérien avait approuvé par voie référendaire l'Assemblée nationale constituante. Elle avait pour mission de désigner un gouvernement provisoire, légiférer au nom du peuple et élaborer un projet de constitution. Ben Allah, Al-Hajj Ben Allah était à l'intérim de la présidence de cette Assemblée avant d'être réélu à sa présidence. Abdeslam Ben Dayem avait 26 ans à l'époque, il était membre élu de l'ANC, il se remémore cette étape de l'histoire de l'Algérie post-indépendance. On venait juste de sortir de la révolution armée à la révolution, si on veut, politique. Donc il fallait combler le déficit politique qui n'existait pas avant. Donc on a fait partie de cette assemblée NASA. La première, c'était une assemblée constituante, 62-63. Nous, on est venus en 64. On a été élus en 64 pour devenir des députés de Wilaya et pour faire une constitution, une assemblée, tout ça. On était tous jeunes et on a pu faire partie de cette assemblée nationale qui est la première dans la Algérie nouvelle. Cette jeunesse, elle doit suivre la trace. Et puis elle doit porter haut le drapeau de l'Algérie combattante, sans oublier les 1,5 million de martyrs. Il faut toujours les avoir devant soi pour pouvoir faire l'avenir. Des propos au micro de Hanan Seissi lors du forum d'El Moudjahed d'aujourd'hui. On termine avec l'info sport du football. La rencontre entre le Mouloudia d'Alger et le Paradou Athletic Club se déroulera ce vendredi au stade Ali Ahmar de Douala à 16h. Un match à huis clos pour le compte de la deuxième journée du championnat de Ligue 1. L'occasion, cette même deuxième journée de Ligue 1, le nouveau stade Hossein Aït Hamed de Tizi Ouzou a été lui aussi inauguré par le président de la République Abdelmadjid Tebboune, à l'instar du stade Ali Ahmar de Douala, abrita quant à lui son premier match de son histoire entre la JS Kabylie et le nouveau promu l'Olympique Arbou. Ça sera vendredi à 18h. C'est ainsi que prend fin cette édition réalisée par Sid Ali Toubel. Merci de nous avoir prêté attention. Voici les couleurs du ciel, la météo signée Kalimab.